avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. De tout, rien n'était impossible à toi. Tu n'as jamais échoué, tu n'as jamais reculé devant un fait, devant un obstacle. Oui, tu es Dieu ce matin. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit élevé ce matin, que l'humanité en entièreté constate que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur ce matin. Oui, tu es Dieu. Célébrons ton nom ce matin. Que ton nom soit placé au-dessus de tout. Que ton nom soit placé au-dessus de nos problèmes. Que ton nom soit placé au-dessus de toutes les choses. Les choses que nous voyons, les choses que nous ne voyons pas. Que ton nom soit au sommet, parce que tu es le Créateur, le véritable Dieu, le Dieu qui n'a pas besoin de secours d'un homme, le Dieu capable de se ressusciter lui-même. Et alors ce matin, nous sommes en train de t'adorer, nous sommes en train de lever ton nom, nous sommes en train de lever ta grandeur, nous sommes en train de te célébrer, parce que nous n'avons pas un autre Dieu qui nous a été donné. Ce n'est que toi, Jésus, celui qui a pris la décision de prendre un risque
train de mourir à notre place. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est pourquoi ce matin, tu mérites l'adoration, tu mérites l'élévation, tu mérites l'exaltation, tu mérites l'honneur. Tout ce que nous pouvons faire dans ta présence, ce n'est que t'élever. Tout ce que nous pouvons faire ce matin, ce n'est que prosterner au devant de toi, ce n'est que se rabaisser au devant de ton trône, ce n'est que s'humilier au devant de ton trône. Ce matin, Seigneur, est-ce que les trônes de gloire, les trônes de paix, les trônes de majesté sois élevés, sois élevés, sois élevés, sois élevés au-dessus de tout. Sois élevé, Yahweh, 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 mais Dieu qui ne déçoit jamais, mais Dieu qui n'abandonne jamais. Nous sommes là, nous sommes là, en train de t'élever. Nous sommes là, en train de t'exalter. Nous sommes là, en train de t'honorer. Nous sommes là, en train de te placer au-dessus de tout. Que le trône de Jésus soit placé, que le trône de Jésus soit élevé, que le trône de toi. Merci, merci, merci Jésus, merci Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes là devant son trône. Est-ce que nous pouvons offrir les acclamations à notre Créateur? Est-ce que nous pouvons offrir les acclamations à notre Créateur? J'aimerais que tu acclames. Toi qui es malade ce matin, par tes acclamations, reçois la guérison. Toi qui es enchaîné, par tes acclamations, reçois ta délivrance. Parce que celui que nous sommes en train d'acclamer, il s'appelle Jéhovah Jaïré, le Dieu capable. Écoutez, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, écoutez. J'aimerais que nous tous nous soyons connectés. Aujourd'hui, c'est une journée pour moi spéciale. Parce que ce n'est pas moi qui a programmé, mais c'était dans le plan de Dieu que ça soit ainsi. Alors je suis en train de te dire, ce matin, tu vas croiser un miracle. Tu vas expérimenter un miracle. Je sais que tu as un problème. Je sais que tu es malade. Mais ce matin, je viens te présenter celui qui est capable de te guérir. Il s'appelle Jésus. Je viens de te présenter celui qui est capable de t'apporter la solution à tout ce que tu as comme problème. Il s'appelle Jésus. Et alors ce matin, nous voulons créer la confusion. Vous savez, il y a des gens qui se disaient que toi aujourd'hui, tu n'allais pas te réveiller. Et alors nous voulons acclamer le Seigneur de manière à rendre le diable jaloux. Alors, nous acclamons le nom de Jésus. On n'acclame pas un président, on n'acclame pas un ministre, mais nous acclamons celui qui est au-dessus de toutes les choses, celui qui est au-dessus de tes problèmes, celui qui est au-dessus de tout. Oh, de Jesus. My God. Amen. Seigneur, là où tu es, j'aimerais que tu acclames. Tiens-toi debout et tu acclames le Seigneur. Pendant que tu acclames, un miracle va te croiser. Acclame-le, très bien. Merci Jésus, parce que tu es là. Merci Seigneur, parce que tu es là au milieu de nous. Tu es là au rendez-vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord se saluer? C'est depuis le matin que nous ne nous sommes pas salués. On se salue au nom de Jésus. On se souhaite de bonnes paroles.
My God. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous disons gloire à notre Dieu, celui qui a permis que nous soyons là ce matin. Et il nous a accordé la grâce de se tenir devant de vous. Et nous disons merci à lui. Alors, ce matin, je ne peux pas commencer mon petit message sans pour autant manifester la reconnaissance envers notre papa, un homme bien. Et je pense que nous avons beaucoup de témoignages sur lui, un homme qui nous a encadrés et qui continue aussi à le faire jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous sommes, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Alors nous venons de trop loin. Je n'ai pas vraiment beaucoup de minutes à vous raconter, mais c'est un homme qui est pour moi une bénédiction. Alors je dis aussi merci à notre maman, que j'appelle souvent ma Menjo. C'est un nom qui est codifié, qui explique beaucoup d'histoires. Et je dis également merci au collège des anciens et aussi aux serviteurs. Je dis aussi merci à vous. Je ne suis pas un nouveau, mais je suis un enfant de la maison. C'est pourquoi je me sens vraiment très, très, très à l'aise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, recevez aussi les salutations de vos frères de Kinshasa. À Kinshasa, il y a un groupe Bread of Life. Il y a déjà Bread of Life qui a déjà commencé et nous évoluons très bien, bien sûr, sous l'onction de notre papa. Alors, ce matin, je pense que je vais vraiment accélérer parce qu'il me reste un peu de minutes. Alors rapidement, je vais demander qu'on nous lise deux extraits. Et le thème que je nous propose ce matin s'intitule « Produire sous la lumière ». Ou soit la productivité sous la lumière. Voilà notre petit thème de ce matin. On nous lit des extraits dans les livres de Luc, chapitre 13, 6 à 9, et aussi dans les livres de Marc, chapitre 11, 12 à 14. Nous lisons Luc chapitre 13, le verset 6, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouvais point. Coupez-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Vous avez déjà lu Marc? Marc 11, 12 à 14. Marc 11, 12 à 14, nous disons, au nom puissant de Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'il fut ressorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché,
Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa le table de changeurs. Non, tu peux même t'arrêter là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre un aspect qui est vraiment très important, qui nous pousse aussi à produire. Parce que vous devez savoir, produire, c'est aussi un apanage des enfants de Dieu. Parce que rappelez-vous, dans le jardin d'Eden, Dieu aussi avait demandé à l'homme de fructifier, de produire. Alors, nous sommes aussi appelés à produire. Nous sommes aussi appelés à se développer. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés à évoluer. Alors, ce matin, il y a un vecteur très important qui nous permet aussi à la productivité. Et ce vecteur-là, c'est la lumière. La lumière nous permet à produire. Et rapidement, quand vous, pour les gens qui travaillent dans des carrières la nuit, il y a production, il faut qu'il y ait nécessité de la lumière pour permettre la circulation des engins. Parce que la nuit, s'il n'y a pas la lumière, il y aura des incidents, il y aura des accidents. Et avec la lumière, ça permet la productivité. Alors, la lumière, c'est un vecteur qui nous permet à produire. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons vraiment voir cet aspect-là. Et nous allons aussi nous inspirer au travers les deux textes que nous venons de lire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi ce matin, dans le texte que nous venons de lire, il y a un problème. Et il s'agit aussi de quelque chose. Et la chose, c'est les figuiers. Amen. Parce que dans le premier, on a parlé d'un figuier. Et aussi dans le deuxième, on nous a aussi parlé du figuier. Alors j'aimerais qu'ensemble, nous essayons de faire une petite analyse qui va nous permettre d'aboutir et de comprendre le message de ce matin. Alors, il y a quelque part là où mon attention est attirée. Lorsque nous voyons dans les livres de Marc, on nous parle d'un figuier. La Bible nous dit, Jésus-Christ qui venait de Jérusalem et il voulait aussi se rendre à Béthanie. Et à Béthanie, il a passé nuit là-bas et il a beaucoup travaillé. Maintenant, le matin, tout au long de la route, comme il a beaucoup travaillé, il avait faim. Il voulait prendre quelque chose pour se restaurer. Et du coup, il a vu au devant de lui un figuier. Et il est allé, il s'est dirigé vers ce figuier pour prendre quelque chose afin de se restaurer. Malheureusement, arrivé sur place, le figuier n'avait pas de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, tout à coup, Jésus a commencé à maudire le figuier parce que le figuier n'avait pas de fruits. Et lui qui avait faim, il voulait manger. Et arrivé là-bas, il n'avait pas mangé. Directement, il a commencé à maudire. Ça, c'est dans le livre de Marc. Alors, dans le livre de Luc, on nous parle aussi, c'est lui-même qui nous parle de ses paraboles. Il prend toujours cet aspect. Il dit, un maître qui avait une vigne, et dans ces vignes-là,
il a placé aussi un figuier. Malheureusement, le figuier qui n'avait pas aussi de fruits, alors le fils de l'homme s'est approché pour manger, pour prendre quelque chose à ce figuier qui était dans la vigne. Alors, il a constaté la même chose, qui n'avait pas de fruits. Alors, au lieu de maudire, maintenant le maître du champ, il a supplié, autrement dit, il a intercédé en faveur de ces figuiers qui étaient dans le champ, disant, maître, il ne faut pas couper d'abord, il ne faut pas couper. Bien sûr, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas produit, mais accorde-lui encore une année. Une année, et moi, je vais encore renforcer du fumier pour qu'il produise. Amen. Et quand vous faites la comparaison de ces deux textes, c'est comme qui dirait, il y a de l'injustice. Même fait, l'autre a été maudit. Mais pour celui qui était dans le champ des vignes, il a eu la faveur, on a intercédé pour lui. Je me pose la question, pourquoi ces deux poids, deux mesures? Pourquoi cette injustice? Pourquoi ce traitement double? Même fait, l'autre a été maudit, mais l'autre, on ne l'a pas maudit. Et voilà maintenant, c'est à ce niveau que j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi nous tous, nous ne produisons pas? Le figuier qui était stérile, il fallait que tous les deux puissent avoir une même sanction. On devrait maudire parce qu'ils étaient stériles. Et alors, c'est là où que je commençais ma petite réflexion. Pourquoi est-ce que l'autre n'a pas été maudit? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez le savoir. En Israël, les figuiers poussent tout au long de la rue. Comme ici chez nous, nous voyons au bord de la rue, il y a deux manguiers. Il y a des manguiers qui poussent comme ça sur l'avenue et les gens peuvent aussi s'en servir. Et je me rappelle, dans le temps, lorsque nous fûmes encore des enfants, lorsqu'on voyait des manguiers qui produisaient déjà des fruits, on prenait deux pierres, on lançait et on se servait de mangue. Donc, il y a certains fruits qui poussent tout au long de la rue. C'est le cas ici, les figuiers en Israël poussent aussi tout au long de la rue. Et les cas présents, les figuiers qui ont été maudits, Jésus l'a trouvé tout au long de la rue. Et c'est là où je vais maintenant commencer ma petite prédication. Les figuiers qui étaient tout au long de la rue, c'est tout le monde pouvait se servir. Et on peut négliger, on ne peut pas tenir cas, parce que c'est à la portée de tout le monde. Ce qui est de la rue, c'est exposé. Ça n'a pas de valeur. Mais ici, nous voyons l'étudier qui a eu la faveur de trouver l'intercession. La Bible nous dit, les figuiers qui étaient en dehors du champ. Et le maître de vigne a pris les figuiers qui étaient au bord, qui étaient en dehors, l'a placé dans son champ. Et lorsque le maître est venu, en lieu et place, parce que les figuiers là, le champ là n'était pas approprié pour les figuiers. Autrement dit, je peux dire,
Le figuier a été adopté. On a ramassé le figuier qui passait sa vie en cours de route, qu'il ne pouvait pas avoir cette faveur, mais le figuier a été adopté dans le champ des vignes. Bien-aimé dans le Seigneur, ici le problème, ce n'est pas l'injustice, mais c'est un problème de positionnement. C'est un problème de positionnement. La bénédiction dépend aussi de l'endroit où tu te trouves. Parce qu'il y a des plantes, quand vous les placez à un endroit, les plantes là ne vont pas pousser. Il y a certaines plantes, quand vous les placez à un endroit approprié, vous allez vous attendre à des résultats escomptés. Amen. C'est-à-dire la bénédiction dépend de l'endroit que tu te trouves. L'autre a été maudit parce qu'il était en dehors. Il était sur l'avenir. Prenons même les cas. Les chèques que nous voyons, qui s'en soucie des chèques? Vous voyez les gens au carrefour là-bas. Il y a des voleurs, il y a des petits enfants qui traînent tout autour au bord de la route. Est-ce que, bien-aimé, tu peux prendre soin de ces enfants-là? Donc, chaque fois, quand nous voyons ces enfants, nous prenons tout notre contrôle. Parce qu'avec connaissance que cet enfant peut me faire du mal. C'est-à-dire, l'enfant devient un danger. Il devient un danger pourquoi? Parce qu'il est sur la route. Il est exposé. Et lorsque nous la voyons, nous ne pouvons pas nous approcher de lui. On prend même le même enfant-là, je le prends chez moi. Et vous trouvez, bien sûr, ce n'est pas mon enfant biologique, mais j'adopte cet enfant. Bien que cet enfant il était jadis chez eux, le fait seulement qu'il est chez moi, lorsque vous voyez l'enfant chez moi, vous allez saluer l'enfant comme tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'il est dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. La bénédiction dépend de l'endroit où tu te trouves. Il y a des endroits quand tu te trouves, tout le monde ne peut pas s'approcher de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans un endroit suspect. Tu es dans un endroit qui ne rassure pas. Et alors ce matin, je pose une petite question. Où es-tu, mon frère? Pose d'abord la question à celui qui est à côté de toi. Tu es dans la maison ou bien tu es sur la route? Où es-tu? Parce que la bénédiction dépend de l'endroit que tu te trouves. L'endroit sur lequel tu te trouves détermine ta bénédiction. Zacharie a été béni parce qu'il s'est positionné au temple. C'est là où il a rencontré sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il était au temple. La femme des Syrophosiennes, cette femme-là, qui était avec son fils et qui demandait de la nourriture à Jésus, qui dit, maître, est-ce que tu ne peux pas donner à manger pour que ton enfant puisse manger quelque chose? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, non, on ne peut pas donner à manger à un chien. On ne peut pas donner les histoires appropriées aux enfants, on les donne à un chien. Bien-aimés, dans nos maisons, à quel endroit nous gardons nos chiens? C'est dehors. Donc, Jésus considérait cette femme-là comme une personne qui vivait dehors. Mais écoutez la réplique de cette femme. La femme a dit, ce n'est pas question de chien, ce n'est pas question... Mais le problème, parce que le chien
mange même cette, le miel qui tombe, c'est les choses qui tombent du table du maître. Il bénéficie de ces petites choses-là. Et le maître était obligé. Et la femme, bien-aimée, ici, il ne s'agit pas question d'être dehors. Les problèmes, c'est de se retrouver dans la maison. Tu veux être béni, ne sois pas en dehors de l'église, sois à l'intérieur de l'église. Tu veux vivre la lumière, ne sois pas en dehors de l'église, mais sois dans l'église. Sois dans la trajectoire de la lumière. Parce que la lumière ne peut éclairer que dans la trajectoire. Si tu es en dehors de la trajectoire, tu ne verras jamais la lumière. Ça ne sera que le ténèbre. Et alors ce matin, je vous invite, Bokota, Bokota, entrez, entrez. Dis d'abord à celui qui est à côté de toi, Bokota, Kota, 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 Bimalibanda, Kota, Kota. Ta bénédiction dépend de la place que tu te trouves. Ta bénédiction dépend de cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en dehors de l'église, ce n'est que la malédiction. Mais si tu es au-dedans, si tu es à l'intérieur, tu verras la faveur de Dieu. Tu verras la lumière de Dieu. Et cette lumière te permettra d'évoluer, d'avancer. Et dans l'église, il faut aussi entrer dans les départements. Parce qu'il ne faut pas être en dehors. Tu es à l'église, mais tu es dehors. À l'église, nous tous, nous sommes des ouvriers. À l'église, nous tous, nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Mais lorsque nous entrons à l'église, lorsque nous venons à l'église, il ne faudrait pas que nous soyons hors les systèmes du fonctionnement de l'église. Il faut que nous soyons à l'intérieur. Et lorsque nous nous plaçons à notre poste, la Bible dit ceci, la bénédiction de Dieu va nous localiser. La bénédiction de Dieu va te localiser. Bien-aimé, jusque-là, tu ne fais que vivre la malédiction. Les problèmes, ce ne sont pas les sorciers, mais les problèmes, c'est l'endroit là où tu t'es placé. Toi-même, tu t'es écarté. Toi-même, tu t'es désélectionné. Toi-même, tu t'es éloigné, mais la bénédiction est à cet endroit. La bénédiction que tu cherches, Dieu ne peut pas l'amener ailleurs. La bénédiction bien-aimée de ta vie n'est pas chez les prophètes. La bénédiction bien-aimée, ce n'est pas chez les gens qui font boire les gens de l'eau. Mais ta bénédiction, c'est ici à Bread of Life. Mais le problème, sache seulement de te positionner. Les problèmes, sache seulement de te positionner. Et alors, j'aimerais bien aimer que nous essayions de voir quelque chose aussi qui est très important. On nous dit, l'autre a eu la faveur. Quelqu'un est venu intercéder. Il dit non, accorde-lui le temps. Ça fait 3 ans qu'il ne produisait pas. Et quand vous voyez les disciples qui vivaient avec Jésus, 3 ans, les disciples étaient improductifs. Les disciples ne produisaient pas. Les disciples étaient toujours des gaffeurs. Quand vous regardez Pierre, il a coupé l'oreille. Et quand vous voyez Judas, il a trahi. Donc, il n'y avait pas la production, malgré les 3 ans. Et alors, il fallait que quelqu'un puisse intercéder en faveur de ces gens-là pour les rendre improductifs et pour les rendre productifs. Ainsi, il y a eu une démarche. Jésus a pris sa vie. Il est allé. Il a donné sa vie. Il est mort. Après la mort, il y a eu la résurrection. Après la résurrection, il a inauguré une année de grâce, une année de lumière, une année sans effort,
Et Jésus a inauguré cette année à la croix de Golgotha. Depuis la croix de Golgotha, constatez maintenant comment est-ce que les disciples ont évolué. Ainsi, il les a recommandés. Il a dit, non, moi je vais m'en aller, je vais partir, mais j'aimerais que vous soyez positionnés quelque part. Et l'endroit, il les a indiqués à la chambre haute. Jésus les a dit, allez là-bas, dans la chambre haute. Il les a positionnés. Il a dit, je veux m'en aller. Et puis je vais vous envoyer un autre que moi-même. C'est lui qui viendra vous éclairer. Il vous donnera la capacité de faire tout ce que vous allez commencer à faire. Et puis le Saint-Esprit est venu. Et puis, bien aimé, dans notre texte, quand vous voyez le maître du champ qui était en train d'intercéder en faveur de ses figuiers, il a dit, maître, il ne faut pas les couper. Accorde-lui encore la grâce. Accorde-lui encore une année. Et d'ailleurs, je vais aussi les renforcer. Je vais les renforcer avec les fumiers afin qu'ils produisent. Alors, il y a un élément très capital qui nous donne la capacité qui est très important, qui est même l'image. Le fumier, c'est l'image du Saint-Esprit. Le fumier, c'est l'image du Saint-Esprit. Tu ne peux pas produire sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas briller sans le Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin en cette année de resplendissement pour que tu puisses encore briller, tu as besoin du fumier qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas briller. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça même la lumière. Le Saint-Esprit, c'est ça même Jésus. Parce que Jésus dit, je suis la lumière. Jésus lui-même, il est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il te donnera la capacité de faire les exploits. Il te donnera la capacité de briller. Et alors ce matin, je suis en train de prier pour quelqu'un, reçoit la puissance du Saint-Esprit. Les choses que tu ne faisais pas auparavant, que le Saint-Esprit te donne la capacité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne te restaurer, qu'il te donne la vigueur. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, pour que tu puisses briller, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu produises dans ton travail, tu as besoin du Saint-Esprit. Seul, je t'informe, tu ne sauras pas. Avec ton intelligence, tu seras limité, mais tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas briller en dehors du Saint-Esprit de Dieu, parce que Jésus est en train de dire, par ta lumière, je verrai aussi ma lumière. Jésus est la lumière. Si tu veux voir ta lumière, entre en Jésus et Jésus t'éclairera. Et lorsque Jésus t'éclairera, toi aussi, tu vas refléter la lumière de Jésus. Ce matin, bienvenue, sois dans Jésus, tu vas refléter la lumière. En dehors de Jésus, tu ne peux pas briller. En dehors de Jésus, tu ne peux pas donner l'éclat. En dehors de Jésus, tu ne peux pas refléter la lumière. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la capacité. Vous n'avez jamais vu une femme jolie, mais qui n'a pas encore été sollicitée au mariage. Le problème, ce n'est pas la beauté. Le problème, c'est les vecteurs qui donnent la capacité d'attirer un mari. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'être beauté, mais tout ce qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme de licence. Je connais des gens qui ont des diplômes de licence, mais qui sont des chômeurs. Donc le problème, ce n'est pas seulement les diplômes, mais le problème, c'est le Saint-Esprit. Parce que je sais, il y a des gens avec l'Esprit de Dieu, ils sont sollicités, ils sont promis. Ce matin, tout ce qu'il te faut, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux rien dans la vie, dans l'heure actuelle, au 21e siècle. Tu vis sans esprit. Tu es appelé à la malédiction. Tu es appelé à mourir et à disparaître. Bien-aimé, les vecteurs qui vont te permettre à évoluer, à échelonner, à faire des exploits, à briller, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ce matin, tu n'as pas besoin de mariage, mais tu as
besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité d'attirer un mariage. Tu n'as pas besoin de l'argent, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui attire l'argent, qui donne l'argent. La Bible déclare, l'or et l'argent m'appartiennent. Si l'or et l'argent t'appartiennent à Dieu, Dieu te donne Jésus gratuitement. L'argent, ça lui coûte combien? Donc tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu as l'argent en toi. Je vais choquer quelqu'un. Tout ce que tu cherches, les démarches que tu effectues, les solutions que tu cherches ne se trouvent pas ailleurs, mais tout se trouve en toi. Dieu a déjà mis toutes ces choses en toi, les problèmes, parce que tu es en train d'ignorer. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais révéler quelqu'un, j'aimerais révolter quelqu'un. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as tout. Tu as l'Esprit de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Tu as l'Esprit de Dieu, personne ne peut te limiter. Tu as l'Esprit de Dieu, les sorciers ne peuvent rien. Tu as l'Esprit de Dieu, la maladie ne peut rien. Parce que nous avons reçu l'Esprit de lumière, l'Esprit qui nous donne la capacité de briller. Ce matin, bien-aimé, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, reçois la lumière ce matin. Brille ce matin parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, les disciples qui n'avaient pas la force, qui ne pouvaient même pas se tenir, ces jours-là, lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, les gens qui n'avaient pas, qui avaient la peur, qui reculaient lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, ils sont sortis de la chambre haute. Ils ont commencé à évangéliser. Ils ont commencé à opérer des miracles. Ils ont fait des choses au plus. Ils ont fait des choses plus que du temps qu'ils vivaient avec Jésus. Ils ont opéré des miracles. Ils ont parlé des langues. Ils ont fait l'évangélisation. Ils ont gagné deux âmes. Ils ont fait des grandes choses. Ce n'était pas par leur capacité. Ce n'était pas par leur connaissance. Ce n'était pas par la révolution. Mais c'était poussé par l'Esprit de Dieu. Ce matin, le même Esprit qui était sur les disciples, je crois que la Bible dit, l'éternel Dieu que nous prions en ce lieu, il est le même hier. Il est le même hier. Il a travaillé avec Moïse. Il a travaillé avec David. Il a travaillé avec Salomon. Il a travaillé avec Pierre. Il a travaillé avec Judas. Il a travaillé avec tous ces hommes. Il a travaillé avec Abraham. La Bible me dit, il n'a pas changé. Il est le même. Aujourd'hui, il est là. Il n'a pas changé. C'est les temps qui changent. C'est les hommes qui changent. C'est la nature qui change. Mais notre Dieu ne change pas. Il est le même. Et aujourd'hui, il est éternellement. Il est Dieu. Il restera. Ce qu'il avait fait hier, il est capable de le faire. Si Dieu a frayé, il a passé, il a frayé les eaux de la mer rouge. Le Dieu-là est capable de frayer un chemin à un endroit inaperçu. Si ce Dieu-là, par l'Esprit de Dieu, il a donné la vigueur, la capacité à Samson, le Dieu-là est capable de te donner la puissance, de te donner la force. Et je le déclare ce matin, toi qui es malade, reçois l'Esprit de la restauration. Toi qui as des problèmes, reçois l'Esprit de la consolation. Toi qui es bloqué ce matin, Dieu est en train de frayer un chemin. Ce soir, tu vas raconter ta bénédiction. Ce matin, tu vas raconter les exploits. Hier, tu as échoué, mais aujourd'hui, tu es condamné à la réussite parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce matin, bien-aimé, tu vas faire les exploits parce que Dieu, parce que son Esprit est avec toi. Je le déclare, fais des exploits. Je les déclare, fais des exploits. Bread of Life, dans la vie de Colossi, dans la vie de Lubumbashi, allez et faire des exploits au nom de Jésus. Je les déclare, vous allez réaliser les choses qui vont étonner les gens dans cette vie de Lubumbashi. Ce n'est pas parce que vous avez des moyens, ce n'est pas parce que vous avez des capacités, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Et je suis en train de prophétiser toute montagne qui s'est levée au devant de toi. Ce matin, cette montagne est en train d'être aplanie, non pas par ta volonté, mais poussée par l'Esprit de Dieu. La montagne qui t'est bloquée a évolué.
évoluer, qui te bloquait à persévérer cette montagne. L'Esprit de Dieu est en train de la planir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin, la montagne de la maladie est en train d'être planée au nom de Jésus. Reçois cela, la montagne des chômages. Jésus, l'Esprit de Dieu est en train de planir cela au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Ce matin, bien-aimé, nous sommes appelés à la productivité, nous sommes appelés à évoluer, parce que en nous, il y a celui qui est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce matin, bien-aimé, tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à aller de l'avant. Aille de l'avant. Progresse. Évolue. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la puissance. Lord of Jesus. Lord of Jesus. Lord of Jesus. Marobrasherodos. Rebroshadara. Marebrokedoshara. Il y a longtemps, tu as parlé à langue. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les dons qui étaient bloqués. Ce jour, ce soir, après ce culte, tu vas commencer à parler en langue. Toi qui étais venu en ces lieux, tu as des problèmes, des douleurs, des reins, des sucres. Je prophétise sur toi. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Bien-aimé, parce qu'il est déjà temps, nous voulons faire quelque chose que Dieu m'a montré dans les songes. Nous voulons offrir une offrande d'adoration. Nous n'allons pas prier. C'est Dieu qui m'a montré l'image. Et l'image, là, j'aimerais, sous l'onction de notre papa, que nous puissions exécuter cela. Parce que après, j'ai vu Dieu est en train d'élever les gens. C'est comme qui dirait les gens qui se connectaient à une forte intensité. Quand tu te connectes là, directement, tu commences à rayonner, à briller, à donner aussi ta lumière. Et c'est cette image-là que j'avais vue. Alors j'aimerais qu'on procède cette action sous l'onction et sous la puissance de notre Père. Alors je vais vous demander, tout ce que vous avez, ça sera une semence que nous voulons sceller. Je ne sais pas pourquoi ce que Dieu m'a montré, mais ce que je sais, le Dieu que nous servons, le Dieu de Josué Gabin Chinabou, c'est un Dieu de miracles. Je vous dis vrai. Alors, on m'a même donné les cantiques. Je vais inviter nos bien-aimés. Ils vont passer ici devant. Je ne connais pas chanter, mais je vais vous le dire. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. On va commencer à faire cette adoration. Alors, dans l'image là, je voyais les anciens, je peux même les inviter. Nous allons tous nous agenouiller. Et j'invite aussi Maman Sylvie qui va se joindre à nous. Nous allons nous agenouiller. Et vous, le peuple de Dieu, chacun selon tes possibilités, tes moyens, vous allez commencer à déposer ici. Après avoir terminé, notre papa va présenter cette offrande d'adoration vers notre Créateur. Alors tout ce que tu as, 100 dollars, 50 dollars, 20 000 francs, 20 dollars, 1000 dollars, tout ce que tu as, mais j'aimerais qu'on fasse, ça sera une semence qu'on vient déposer. Et notre Père, par son onction, il va présenter cela devant le Seigneur. J'invite les serviteurs qui vont passer ici devant. Nous allons tous nous tenir à la main. Nous allons nous agenouiller. Et vous, les enfants de Dieu, même si aujourd'hui, tu n'as pas quelque chose, tu vas juste prendre un bout de papier, tu écris ton nom et les montants que tu, selon l'Esprit que Dieu va t'indiquer, tu prends, tu mentionnes les montants. C'est tout le monde. Alors, ne soyez pas dehors cette action, mais Bokota, 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 entrez dans cette action. Vous allez voir et vous allez témoigner. Je vous dis vrai, si vous n'avez pas quelque chose à déposer ici devant, mentionnez votre nom et les montants que vous allez donner même au courant de la semaine, mercredi, dimanche. C'est une action
que nous voulons présenter à notre Dieu. C'est une semence que nous voulons présenter à notre Dieu. Et notre Père se passera ici devant et va présenter cette action, cette offrande d'adoration devant notre Dieu. J'invite les anciens, Papa Mbemba. Et c'est comme c'est une adoration, nous allons tous nous tenir debout en honneur de notre Maître, en honneur de notre Créateur. Tout ce que nous faisons en ces lieux, on ne le fait pas pour quelqu'un, mais nous le faisons pour Jésus. Bien-aimé, viens placer ta semence. Alors nous allons nous agenouiller ici et nous allons commencer à passer. Nous déposons tout ce que tu as, $100, $50. Nous allons nous tenir par la main, on forme une... Jésus. Jésus. Et là où tu es, tu te tiens debout. C'est une adoration. Au-dessus de tout. Si tu n'as pas l'argent, prends un bout de papier. Tu mentionnes Jésus, ça quelque part. Lord de Jesus. Jésus. On se tient debout, s'il vous plaît. Tu es élevé. Lord de Jesus. Au-dessus de tout. Lord de Jesus. Élève ton Dieu. Bien-aimé, prends une bonne attitude d'adoration. Jésus, il n'y a que Dieu Jésus, qui est assis dans son trône. Tu es élevé. Oh, Jésus. Au-dessus de tout. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es élevé. Dessus, au-dessus. Jésus, 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 tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus.
Je voulais vraiment me rassurer. Si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui traîne encore, ne traîne pas d'entrer dans la barque. Les choses vont changer. Après ces cultes, tu vas vivre un changement. Toi qui as des doutes, ne doute pas. Dieu est là. Le Dieu de Bread of Life. Le Dieu de Pasteur Josué Chinabou. C'est un Dieu de transformation. Un Dieu de métanoïa. Alors n'hésite pas. Nous t'attendons avant que notre Père clôture cette séance. Praise team. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur selon les instructions qu'il a données à son fils. Adonai El Shaddai, voici le résultat de ce que tu as révélé à ton fils. C'est à toi de l'accomplir. C'est à toi de faire en sorte que ce qu'il a dit, ce qu'il a vu, ce qu'ils ont fait, que chacun expérimente ce qu'il a dit. C'est dans l'accomplissement des prophéties ou des messages révélés que Dieu confirme qu'il est derrière la parole de ses serviteurs. Et nous voulons ce matin, selon que Dieu l'a révélé à son fils, qu'il en soit ainsi. Je bénis le culte, je bénis la fin, je bénis nos chemins de retour. Je bénis tout un chacun de nous. Et dans mon cœur et dans ma bouche, sincèrement du fond de mon cœur, je proclame une bénédiction spéciale pour tout un chacun d'entre nous. Simplement pour avoir été là aujourd'hui, que Dieu te mette sur la liste des prochaines personnes qu'il va bénir cette année et qu'il fasse de toi, dans ta famille, c'est la personne qui brillera le plus de tous. Et que dans ton quartier, on se réfère à toi pour parler de ton quartier. Et dans ton village, quand on parlera de quelqu'un, c'est de toi qu'on parlera. Et dans cette ville de Lubumbashi, dans ton domaine, je ne sais pas lequel, mais je prie et je souhaite que Dieu te pose sur la liste et qu'il t'élève puissamment, que tu deviens grand parmi les grands et que tu rayonnes absolument. Et que tu sois fantastique dans toutes tes voies, avec succès, avec brio. Je dis gloire au Seigneur et que la paix de Dieu nous accompagne. Le bonheur et la grâce soient au rendez-vous. Nous allons dans la joie et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever.